D'être exploratrice, parce qu'elle avait une mère possessive et un père autoritaire qui sifflait par le nom. Et comme elle avait une grande résistance aux moustiques et adorait l'humidité, elle a pris l'avion et elle est allée explorer l'épaisse forêt vierge de Papouasie. Elle s'est installée entre les lianes avec son ordinateur et elle a travaillé jusqu'à tout soir. Hop, allez. D'être exploratrice parce qu'elle avait une mère possessive et un père autoritaire qui sifflait par le nez. Et comme elle avait une grande résistance aux moustiques et adorait l'humidité, elle a pris un avion et est allée explorer l'épaisse forêt vierge de Papouasie. Elle s'est installée entre les lianes avec son ordinateur et elle a travaillé jusqu'à plus soir. Et Adélaïde s'est mise à bénir les gens, elle a béni celui-ci, celui-là, et elle a continué à bénir. Au bout d'un moment, la moitié de la ville était bénie. Et elle continuait et elle bénissait. Et elle s'est mise à genoux et à implorer. Lopez, Lopez, mais Lopez, toujours inflexible. Pardon, mais Lopez, toujours inflexible. Non, jamais. Adélaïde était affreusement triste. Chocolat chaud, chocolat chaud.
Tu ne vis que pour ta prison et les règlements à la con, mais rien n'y fait. Tu n'es qu'un pion, 9-1-3, il n'y a rien derrière tout ça. Leur corps, tu les as entravés, ces hommes qui sont emprisonnés, mais tu ne peux les empêcher d'avoir des rêves inavoués. Toi, tu es ton propre geôlier quand tu t'enfermes dans tes pensées. 7, 3, 5, 6, 1, 0, tu comptes ces numéros. 7, 3, 5, 6, 1, 0, tu t'imagines tout un complot. Mon métier, c'est d'aider les hommes, sur tout leur corps, je papillonne. J'imagine mon beau chevalier, il me fait vivre un conte de fées. Je le refais. Je ne partirai pas d'ici. Attention. Ah ben voilà. Vous voyez quand vous êtes honnête avec vous-même. Hein? Qui fait? On fait. Qui fait? On fait. Qui fait? On fait.